pavé et quelques gouttes de pluie, ça va pas durer. Ce soir, c'est un Kouadi que vous avez déjà peut-être entendu, qui est intervenu déjà plusieurs fois sur le langage. Anne est professeur de littérature anglaise, c'est non, ça, non, maître de compte de linguistique anglaise. Eh bien voilà. Tu pas loin. Vous avez compris, maître de conférence en linguistique anglaise. Et ce soir, elle va nous parler d'utopie, de dystopie. Alors, je ne vais pas vous raconter, moi, ce que ce sont les dystopies. En discutant tout à l'heure avec Anne, elle me disait, moi, j'ai travaillé, et ce que j'ai découvert, ça ne me plaît pas beaucoup, c'est un peu glauque, donc je ne vais pas beaucoup en parler. Donc, elle va surtout nous parler des utopies, et comment on peut avoir des utopies en langage. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. La semaine dernière, c'était à propos d'économie, donc de décroissance, et je trouvais ça intéressant. Donc il y avait là une utopie qui était facilement compréhensible, mais là, les utopies dans le langage. Merci Anne de nous régaler. Ouais. Belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup Jean-Pierre de m'avoir invité, et merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Je vais essayer de vous libérer pour le foot à 21h, donc ne vous inquiétez pas. Oui, il faut que tu parles plus de l'émission. C'est mieux comme ça ? Oui. Okay. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler du rôle du langage dans les utopies et les dystopies. Plutôt les utopies que les dystopies, parce que c'est un peu plus joyeux. Et on verra que, loin d'être un élément de fond, le langage joue un rôle primordial dans toute utopie et toute dystopie. Mais avant de se focaliser sur le rôle du langage dans les utopies et dystopies, on doit clarifier ce qu'on veut dire exactement par utopie et dystopie. Alors, quand on pense à une utopie, on pense à un lieu idéal, un paradis, mais en fait ce n'est pas strictement vrai, au moins étymologiquement. Utopie vient du grec utopos, le non-lieu, c'est-à-dire un lieu qui n'existe pas. Dans la littérature, les utopies existent dans les endroits imaginaires, d'où non-lieu, et ce n'est pas les lieux qui existent vraiment. Ces lieux sont souvent isolés, les îles et plus tard l'espace. D'ailleurs, la première apparition du mot utopie est en 1516 avec la publication du livre Utopie, la meilleure des républiques, sise en la nouvelle île d'utopie, de l'anglais Thomas More. L'histoire se déroule justement sur une île, isolée de notre civilisation, mais ce qui est le plus intéressant pour nous ce soir, c'est que tout le monde parle la même langue. Sur cette île, il y a 54 villes sur l'île, chacune grande et bien construite, avec la même langue. Coutumes, institutions et lois. Plus tard, quand la Terre sera presque complètement cartographiée au XVIIIe siècle, il n'y aura plus d'endroits qui pouvaient servir de lieu imaginaire pour l'utopie, et les écrivains et écrivaines tourneront vers l'espace. Dans tous les cas, les utopies, dans la littérature au moins, existent dans les lieux imaginaires, donc dans les non-lieux. Après, on a utopie, qui est étymologiquement, qui veut dire bon lieu. Il vient du grec comme utopie. Le mot utopie, E-U, est aussi inventé par le même Thomas More, qui a inventé utopie, U, pour désigner le lieu imaginaire qu'il a conçu dans son livre Utopia. L'utopie, bon lieu, existerait donc dans une utopie, un non-lieu. Donc l'utopie, le bon lieu, n'existe pas, en fait. Comme les deux mots, utopie avec un U et utopie avec un EU, ont la même prononciation en anglais, il semblerait que Thomas More a fait ce petit jeu de mots exprès pour montrer que l'utopie, le bon lieu, ne peut exister que dans une utopie, un lieu qui n'existe pas, en fait. Donc nulle part. Je vais utiliser le mot utopie, U, dans son sens commun de lieu idéal, plutôt que utopie, E-U, même si étymologiquement c'est plus juste. Et bien sûr, dystopie, donc c'est l'inverse
de l'utopie, qui vient du grec aussi. Mais l'utopie et la dystopie, même si c'est l'inverse, sont intimement liées. Car les dystopies sont très souvent les utopies ratées. Et l'utopie pour une personne peut être la dystopie pour une autre. Revenons aux utopies pour le moment. Les utopies, au moins dans la littérature, sont en fait une sorte de laboratoire fictif où les auteurs et autrices font des expériences imaginaires. Ce sont des expériences qui nous font voir d'autres façons de vivre ou de comprendre le monde. On se pose la question, et si le monde était différent? Les dystopies, plus qu'un laboratoire pour faire des expériences, sont par contre souvent des avertissements à propos d'un futur possible ou à une critique de la société actuelle. Et la visée des utopies, c'est orienter et organiser l'avenir. Et dans notre cas ce soir, on va se focaliser sur la façon dont les utopistes ont utilisé la langue comme outil avec l'objectif justement d'orienter et d'organiser l'avenir. Ce soir, j'aimerais vous parler des quatre projets ou lieux d'expérimentation qui ont tous une visée utopique en quelque sorte et dans lesquels le langage joue un rôle central. On va parler du mythe de Babel, la quête à la langue originale, les langues philosophiques du XVIIe siècle, les langues auxiliaires du XIXe siècle et à la fin, la littérature féministe du XXe et XXIe siècle. On verra que ces projets, qui semblent de prime abord n'avoir pas grand-chose en commun, sont tout de même reliés par l'idée que le langage est un outil pour changer le monde, et pas seulement un outil pour le décrire. Donc je viens de dire que la visée de toute utopie est d'orienter et organiser l'avenir. Mais en fait, notre premier projet utopique regarde plutôt en arrière pour trouver une utopie. D'où vient le langage? Qu'est-ce qui peut expliquer la diversité des langues sur Terre? Il y a plus de 7000 différentes langues parlées dans le monde aujourd'hui. Il y avait plus avant. Vous connaissez sûrement le mythe de Babel dans la Bible. Au début, Dieu donne le langage à Adam pour appréhender le monde. Adam nomme le monde et en le nommant, il en prend possession. C'est la lingua adamica, la langue originelle universelle. Selon la Bible, tout être humain vient d'Adam et Ève, et toutes les langues viennent de cette lingua adamica. Ça s'appelle la thèse de la monogenèse. Vous savez sûrement aussi que l'Église était très attachée à l'idée qu'on est toutes et tous descendants d'Adam et Ève, et que quand Charles Darwin a publié sa théorie de l'évolution en 1859, l'Église ne s'est pas montrée excessivement réceptive à cette théorie, car cela mettait en question l'origine divine des êtres humains et donc l'origine divine du langage. Si les êtres humains ne sont pas les descendants d'Adam et Ève, cela veut dire que nos langues ne viennent pas toutes d'une langue originelle, universelle, divine. La Bible raconte que peu après le déluge, seules 8 personnes y échappent, Noé, sa femme, leurs 3 fils et leurs 3 femmes, enfin une femme chacun. Ils sont chargés de, je cite, « fructifier et se multiplier pour remplir la terre », ce qu'ils ont fait. Donc les 3 fils, c'est Sem, Cham et Japhet. À Sem est donné le Moyen-Orient, donc en jaune. À Cham, l'Afrique en orange. Et à Japhet, l'Europe en bleu. Les descendants de Noé se sont bien multipliés et avaient rempli la terre. Même s'ils étaient séparés par de grandes distances, tous les êtres humains parlaient la même langue. Un jour, un groupe décide de construire une tour dont le sommet devrait toucher le ciel. Ceci ne plaît pas beaucoup à Dieu, qui dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre,
et leur donna tous un langage différent. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc on comprend bien qu'ils ont arrêté de bâtir la ville et la tour parce qu'ils ne se comprenaient plus, en fait, car ils ne parlaient plus la même langue. Est-ce que Dieu a agi de façon un peu mesquine, un peu jaloux? Il ne voulait pas que l'humanité prenne trop de pouvoir, que l'humanité prenne sa place à lui. Une analyse alternative est que la tour symbolise l'utopie que l'humanité essayait de construire et que Dieu a coupé court leur projet pour nous protéger, en fait. Car assez souvent, comme je viens de dire, les projets utopiques finissent par créer des dystopies. Par exemple, le rêve utopique des communistes soviétiques s'est transformé pour beaucoup de gens en cauchemar dystopique. Pour revenir à la tour de Babel, Dieu a dispersé l'humanité partout sur la terre, soit parce qu'il était mesquin, soit pour nous protéger. Les descendants de Sem, les Sémites, parlent désormais les langues sémitiques, comme l'arabe et l'hébreu. Les descendants de Cham parlent désormais les langues amitiques, trouvées en Afrique du Nord et de l'Est, en le berbère, le rose et le violet. Et les descendants de Japhé parlent désormais les langues japhétiques, plus connues aujourd'hui sous le nom de langue indo-européenne. Ce mythe de la tour de Babel, d'une langue unique originelle, existe sous d'autres formes, dans beaucoup d'autres langues et cultures. Linguiste Marina Jagello, dans son livre « Les langues imaginaires », donne plusieurs exemples des variantes de ce mythe en Égypte ancienne, chez les aborigènes d'Australie et en Thaïlande aussi. Donc il semblerait donc que c'est un mythe qui est assez universel. On voit dans ces récits bibliques et mythologiques que parler la même langue permet aux êtres humains de s'unir afin de travailler ensemble, d'accomplir les projets ensemble. Et on voit aussi que depuis très longtemps, l'idée d'unicité d'un peuple va de pair avec l'unicité linguistique. Vous avez probablement entendu le maxime « une langue, une nation ». Mais ce n'a pas toujours été le cas. L'idée de langue nationale est assez récente, en fait. D'ailleurs, l'idée de nation elle-même est assez récente aussi. C'est un phénomène qui date du 19e siècle. Avant ça, les gens n'avaient pas vraiment de sentiment d'être français ou britannique, car l'organisation sociale et politique se faisait sur une échelle beaucoup plus petite, beaucoup plus locale, et n'englobait pas de vastes ensembles de populations. C'est à partir de la Révolution française, alors, que la langue française, plutôt une variété du français, est promue en tant que moyen d'unifier le pays. De cette manière, on peut voir la promotion d'une langue standard comme faisant partie d'un projet utopique. Car dans une société idéale, dans une nation idéale, tout le monde parle la même langue et de ce fait est uni. Ceci dit, comme j'ai déjà dit, l'utopie d'une personne n'est pas nécessairement l'utopie de l'autre. J'imagine que c'était loin d'être une utopie pour tous ces gens qui parlaient une autre variété du français et qui ont été punis ou ridiculisés à cause de leur accent ou les mots qu'ils utilisaient. Ceci est malheureusement toujours le cas aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être de Jean-Luc Mélenchon qui s'est moqué de l'accent d'une journaliste toulousaine en 2018. Donc voilà, c'est toujours là. Ce mépris envers les accents ou les variétés non standards ont été nommés la glottophobie par le linguiste Philippe Blanchet. Donc la glottophobie désigne une discrimination linguistique, c'est-à-dire le fait d'exclure les gens ou tout simplement de se moquer d'eux parce qu'ils n'emploient pas la variété standard d'une langue. Parler la même langue et de plus la même variété d'une langue agirait donc en quelque sorte comme une colle sociale et culturelle, le ciment de la nation. Mais il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de pays avec plusieurs langues nationales. Prenons nos voisins, les Suisses.
Comme exemple, il y a 4 langues nationales, le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Est-ce que les Suisses sont moins unis que les Français parce qu'ils ont 4 langues au lieu d'une seule? Et le fait d'avoir une seule langue ne garantit pas l'unité du pays. Le fait que les Croates, les Serbes, les Monténégrins et les Bosniaques parlaient la même langue n'a pas empêché la guerre dans les années 90. Donc l'idée d'une langue, une nation, est une idée utopique. Selon cette vision, la société idéale est monolingue, ce qui crée une unicité. Comme je l'ai déjà dit, cette vision utopique peut devenir une dystopie pour certains et certaines, c'est-à-dire ceux et celles qui ne parlent pas la variété standard. Le mythe de la tour de Babel regarde vers le passé, vers une utopie perdue. Notre vie avant la chute de la tour, quand on parlait toutes et tous la même langue originale, universelle, parlait justement au jardin d'Éden, la lingua adamica. Selon Marina Jagiello, linguiste, même si le mythe de Babel regarde en arrière, il, je cite, « ouvre la voie à la pensée utopique ». Ce qui a été sera. C'est ainsi que le mythe donne naissance à l'utopie. Si on était unis par une seule langue, c'est peut-être possible de retrouver cette utopie. Les deux utopies suivantes, bien qu'ayant une visée à orienter l'avenir, sont tout de même basées sur la nostalgie d'une langue originale commune à tous les êtres humains. Notre deuxième projet, c'est les langues philosophiques du XVIIe siècle. Pendant les XVIIe et XVIIIe siècles en Europe, de nouvelles expérimentations linguistiques sont entreprises. On ne cherche plus la langue originelle donnée par Dieu, mais une langue philosophique parfaite d'une caractéristique universelle. C'est une nouvelle langue créée par les hommes cette fois. J'ai dit homme exprès parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient dans ce domaine à l'époque, et non pas Dieu. Cette langue parfaite serait tout de même un reflet de la perfection divine, par contre, même si elle serait créée par des hommes. Elle serait une fidèle traduction de la nature des choses, sans ambiguïté et sans possibilité d'erreur. À l'inverse des langues naturelles, comme le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, etc., qui sont plein d'ambiguïtés, d'irrégularités, d'homophones, homonymes et d'autres sources de confusion. Par exemple, pourquoi chien et chien en français, dog en anglais, perro en espagnol? Ces mots ne reflètent pas la nature, la vraie nature de l'animal en question. Ils ne sont que des étiquettes aléatoires et les philosophes cherchaient une langue qui était un miroir fidèle de la nature, sans filtre culturel, sans influence par les langues, une langue qui n'est pas influencée par la culture. Pour ces philosophes, les langues naturelles les empêchaient de penser. Les mots empêchaient la compréhension des choses. Il leur fallait un moyen de contourner les mots pour atteindre les choses et les concepts qui, eux, étaient purs. Ce type de projet linguistique est donc proprement révolutionnaires. Elles ont pour objectif de transcender les langues naturelles. Marina Jagiello note qu'il n'est guère étonnant qu'elles aillent abonder au XVIIe siècle, siècle des remises en cause, siècle de Pascal et de Descartes, et au XVIIIe siècle, siècle des Lumières. Même si ce projet des langues philosophiques n'est pas le même que les mythes bibliques, il y a beaucoup de similarités. Dans la Bible, Dieu a donné la langue à Adam pour qu'il puisse nommer le monde et donc le posséder. De la même façon, au XVIIe siècle, on avait besoin de nommer le monde qu'on était en train de découvrir, afin de pouvoir classer ces éléments, de les manipuler et de les posséder. Car comme dit Marina Jagiello encore une fois, nommer est la première étape de l'appropriation. Avec la révolution scientifique qui commence au XVIIe siècle, on a besoin d'une langue qui décrit de façon aussi précise et neutre que possible
le monde qu'on est en train de découvrir et de classer. À partir du XVIIe siècle, alors, la problématique de la langue universelle fait partie de l'horizon conceptuel de toute l'Europe cultivée. Les hommes de lettres cherchaient donc à créer une langue logique et naturelle qui décrirait le monde de façon claire, sans ambiguïté. On a philosophe, mathématicien et scientifique allemand, Gottfried Wilhelm Leibniz, imagine une langue universelle et formelle capable d'exprimer aussi bien les concepts mathématiques, scientifiques ou métaphysiques, mais il n'a jamais réussi à la créer. À la même époque, on a l'anglais John Wilkins qui élabore sa propre langue philosophique. Il classe tous les mots selon un système logique, comme vous voyez. Il a commencé par classer l'univers en arbre généalogique. Je ne prétends pas du tout comprendre son organisation, comment ça fonctionne, mais en gros, c'est une hiérarchie de l'univers, avec Dieu en haut quelque part, et en bas, les cailloux et les feuilles. Okay? Donc, selon son système, il peut nommer de façon logique tout élément dans l'univers, classé d'ordre de façon logique. Par exemple, c'est assez clair et logique ce que cela veut dire, non? Vous pouvez deviner? Le chien. Le chien, exactement. Vous voyez, c'est logique. Ça va devenir moins logique quand je vous expliquerai. Donc, il a plusieurs catégories. Catégorie 18, c'est les animaux. Et c'est la ligne avec la flèche qui indique les animaux. Sous-catégorie 5, c'est tête ovale. Sous-catégorie 1, c'est plutôt grand. Donc, évidemment, c'est des chiens. Et il a, en plus de faire ça, il a créé une façon logique de nommer ces choses. Donc, catégorie 18, les animaux, c'est Z. Plus sous-catégorie 5, tête ovale, c'est T. Plus sous-catégorie 1, plutôt grand, c'est, je pense que ça se prononce A, Zita, chien. OK. Voilà. Maintenant, vous avez quelques éléments. C'est quoi celui-là? Donc, c'est un animal qui est plutôt grand, avec une tête ovale, mais... C'est logique, hein? Oui, tout à fait. Non? C'est, en fait, le cercle, ça veut dire l'inverse. Donc, l'inverse d'un chien, c'est un... loup, évidemment. Enfin, selon Wilkins. Donc, c'est logique pour lui peut-être, mais pas forcément pour les autres. Donc, le petit cercle, c'est opposé. Et dans la langue philosophique de Wilkins, un mot n'est pas simplement une étiquette aléatoire comme chien ou dog ou perro. C'est le concept lui-même, en fait. C'est pas juste un reflet du concept. Donc un chien, selon la langue de Wilkins, est un animal avec des griffes, une tête ovale, qui vit sur Terre, qui est domesticable. Donc il y a toute une série de questions pour trouver chien. Donc vous voyez que cette langue, qui est censée être logique et rendre le monde plus compréhensible, n'atteigne pas nécessairement son objectif. Enfin, d'un côté, oui, c'est plus logique, mais ce n'est pas toujours très clair pourquoi il a classé certains éléments comme il l'a fait. Parfois, ça semble aussi arbitraire que les langues naturelles, en fait. Un autre exemple, il classe l'espoir comme une émotion simple, mais la honte comme une émotion mixte. Le froid est classé comme une sensation active, et la lourdeur, quand il fait lourd et humide, comme une sensation passive. Ce que ça montre, en fait, c'est qu'il n'y a pas de classification universelle et neutre qui dépasse l'influence de la culture. Wilkins pense avoir créé une langue universelle,
mais il emploie l'ordre des mots trouvés en anglais, par exemple. C'est la syntaxe anglaise. Donc, le projet de Wilkins a sonné le glas pour la recherche d'une langue philosophique universelle. Son travail était monumental, mais il a également montré l'impossibilité de créer une langue philosophique qui était universelle et facile à employer. Même si ces projets utopiques de langue philosophique n'ont jamais connu de succès sous forme de langue, leur structure vous rappelle peut-être quelque chose, cette structure hiérarchique. Est-ce que ça vous rappelle une espèce de livre, un genre de livre? Pas un dictionnaire, mais quelque chose comme un dictionnaire. Encyclopédie? Oui, voilà, c'est l'encyclopédie. En fait, ces projets ont jeté les bases pour la première encyclopédie. Ce qui n'est rien d'autre, en fait, d'une façon de classer et hiérarchiser les éléments du monde. Donc l'idée utopique d'une langue universelle ne meurt pas pour autant, bien au contraire. Donc notre troisième projet, c'est les langues auxiliaires. À partir du 19e siècle, la quête utopique d'une langue universelle change de direction. Dégagée des mythes bibliques et des visées philosophiques, cette quête se déplace sur un terrain beaucoup plus pragmatique. L'objectif de cette nouvelle quête est le pacifisme et la coopération internationale. De l'idée de langue universelle, on glisse à l'idée de langue internationale auxiliaire. Si ce n'est guère étonnant que les langues philosophiques fleurissent pendant le siècle des Lumières, ce n'est également guère étonnant que les langues internationales auxiliaires fleurissent dans un contexte européen qui voit la montée des nationalismes et l'instabilité politique, donc au XIXe siècle. Le but de ces langues n'est pas de classifier l'univers de façon logique, c'est de réduire les conflits et promouvoir la paix. À l'inverse des langues philosophiques, ces nouvelles langues du XIXe siècle sont construites à partir des langues naturelles, surtout le latin. Ce qui veut dire qu'elles sont beaucoup plus faciles à apprendre. Elles bénéficient également des recherches en philologie sur les racines des langues indo-européennes qui ont débuté à la fin du XVIIIe. Si ces racines sont communes à toutes les langues indo-européennes, elles peuvent servir à la construction de langues auxiliaires. On notera qu'on ne cherche plus la langue originelle de toute l'humanité, mais seulement les racines d'une langue indo-européenne qui aurait existé entre 4500 et 2500 ans avant notre ère et qui aurait donné naissance à la plupart de langues parlées en Europe aujourd'hui. Cette nouvelle vague de construction linguistique sont basées sur les recherches scientifiques cette fois et sont donc mieux ancrées dans une réalité linguistique. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'espéranto, mais peut-être pas les 145 autres projets de langue auxiliaire qui ont vu le jour au XIXe siècle. Le XIXe siècle a vu une véritable explosion de langues artificielles, en fait. On ne se contente plus d'imaginer et de décrire les sociétés idéales dans la littérature, on a envie de les vivre. Et d'ailleurs, hors du domaine de la linguistique, il y a eu beaucoup de communautés utopiques établies aux États-Unis qui ont été un échec pour la plupart, mais ça montre que cette envie de mettre l'utopie en action. Et c'est pareil pour la langue, on a envie de créer et d'employer une langue utopique. C'est donc en 1887 que l'espéranto voit le jour. Créé par Louis-Lazare Zamenhof, un médecin ophtalmologue, qui est né dans une famille juive dans l'Empire russe, il parle trois langues, le yiddish, le russe et le polonais. Et en 1887, il publie son ouvrage « Langue internationale » sous le pseudonyme de « Doctoro Esperanto », le docteur qui espère. D'où le nom de la langue que la langue aura plus tard, Esperanto. Ce qui reflète bien cette visée utopique. Vous avez peut-être même vu la liste électorale du parti Europe Démocratie Esperanto aux Europes il y a 2 semaines. J'étais très contente quand j'ai trouvé ça. donc, le parti a quand même recueilli 10 000 voix,
soit 0,04% des suffrages, mais c'est mieux que rien. Il a été créé en 2004 avec l'objectif de, je cite, « faire avancer la citoyenneté européenne, renforcer la démocratie dans l'Union européenne, notamment au moyen de l'espéranto ». Encore une fois, on voit que la langue comme le ciment d'un peuple, mais cette fois c'est le ciment des citoyens et citoyennes de l'Europe au lieu d'une nation en particulier. Et ce n'est pas un hasard si le parti se présente aux élections européennes plutôt qu'aux élections législatives ou municipales, par exemple. L'Union européenne et l'espéranto partagent le même but, la paix et la coopération internationale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les responsables politiques européens cherchent un moyen de stabiliser la paix et entament le processus de construction de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Union européenne. L'espéranto a été créé avec le but de promouvoir la paix entre les peuples de différentes langues et cultures. Un monde sans guerre, un rêve utopique. L'espéranto est une langue qui est apparemment très facile à apprendre, quelque chose qui est plutôt rare pour les langues. Je suis sûre que vous aussi, vous appréciez le temps et l'effort qu'il faut fournir pour apprendre une langue et toutes les irrégularités, incohérences. Et voilà, c'est très embêtant. Donc, c'est facile à apprendre. L'espéranto comprend 28 lettres et totalement phonétique. C'est-à-dire qu'à chaque lettre correspond à un seul son et chaque son correspond à une seule lettre. Donc, pas comme en français où plusieurs lettres font le même son. Et je pense que c'est peut-être encore pire en anglais où juste pour le son O, on a 7 ou 8 lettres, combinaisons différentes. Donc, heureusement, il n'y a rien de ces absurdités en espéranto. La nature de chaque mot est spécifiée par les terminaisons. Donc, si vous avez un mot qui termine en O, vous savez que c'est un nom. Donc, vero, c'est la vérité. Si vous avez un nom qui termine en A, vous savez que c'est un adjectif. Donc vera, c'est vrai, vrai, vrai ou vrai. Donc pas besoin d'accorder. Ça c'est génial. E pour les adverbes, donc verre, véritable. I, si un mot finissant I, ça veut dire que c'est un verbe en infinitif. L'article défini est toujours là, pas le, pas de les. Si on veut faire un pluriel, on ajoute un J à la fin. Et il n'y a aucun verbe irrégulier. Si seulement j'avais su ça il y a 2 semaines aux urnes, ils auraient eu 10 000 et un vote. Donc, encore un petit test, mais je pense que c'est peut-être un peu plus facile que le chien cette fois. Est-ce que vous arrivez à deviner ce que ça veut dire? C'est en espéranto. Plus ou moins. Donc, est-ce que vous avez eu raison? L'espéranto est une langue très facile à apprendre, parlée dans le monde entier par des millions de locuteurs. Donc, si vous avez appris l'italien, l'espagnol, ouais, c'est pas très très difficile. Aujourd'hui, en fait, il y a entre 50 000 et 2 millions de personnes qui parlent l'espéranto, et même quelques milliers de gens qui le parlent en tant que langue maternelle. L'espéranto a connu un succès assez important au 19e siècle et au début du 20e. En 1805, presque 700 personnes ont assisté au premier congrès international d'espéranto. Le congrès se tient en France, à Boulogne-sur-Mer, et l'inventeur, Zamenhof, lui-même est présent. Jusqu'ici, l'espéranto était une langue plutôt écrite, mais au congrès, tout le monde le parle entre eux. Et le congrès se tient encore tous les ans, en fait. Celui de 1957 s'est même tenu ici à Marseille. Et en 1908, l'espéranto est même devenu la langue officielle de Morsnet, qui est un tout petit territoire de 3 km².
entre la Belgique, l'Allemagne et la France peut-être. C'est un triangle très fin en fait. Cela n'a pas duré car la Première Guerre mondiale est arrivée quelques années plus tard. L'espéranto est plus qu'une langue, c'est une utopie. C'est une vision du monde basée sur l'harmonie, la paix, la coopération entre nations. Il y a voici un extrait de l'hymne du mouvement Esperantophone. Sur la base d'une langue neutre, se comprenant les uns les autres, les peuples feront en parfait accord un grand cercle familial. C'est beau. Donc si vous êtes intéressé, il y a un groupe d'espérantistes ici à Marseille qui, selon leur site, se rejoint le premier jeudi du mois, dans le 6e, pour un café linguistique. Donc malgré le succès relatif de l'espéranto et le fait que c'est une des très rares langues inventées qui est toujours utilisée aujourd'hui, c'est l'anglais qui s'impose comme langue internationale et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et de façon assez paradoxale, mais tout à fait naturelle, dans la pratique, l'espéranto a tendance à se dialectaliser. Il y a plusieurs variantes. Il y a une variante savante, populaire, poétique. Certaines personnes, surtout les jeunes, disent par exemple « stas » au lieu de « estas » pour « et » et « gis » au lieu de « gis la revida » le « revido » pour « au revoir ». Donc ils raccourcissent un peu. Comment on fait en français avec « je sais pas ». Donc l'espéranto perd un peu sa régularité, même s'il lui reste pas mal du chemin avant d'atteindre la complexité du français. Mais en fait, c'est un bon signe. Ça veut dire que la langue est vivante, les gens l'utilisent. Parce qu'une langue qui n'évolue pas, qui ne change pas, est une langue morte. Maintenant, on arrive au dernier projet utopique linguistique. À vrai dire, celui-là n'est pas vraiment un projet utopique. Enfin, ce n'est pas un projet uni. C'est comme les langues philosophiques et auxiliaires qui étaient plutôt unies. C'est beaucoup plus hétérogène. C'est plus une collection d'expérimentations linguistiques qu'un projet clair. Nous allons parler des utopies et dystopies féministes et le rôle que le langage y joue. Donc, je vais me concentrer plutôt sur la littérature féministe, car c'est un lieu très intéressant d'expérimentation par rapport au langage dans les utopies et dystopies. Tout d'abord, avant de parler du langage, à quoi ressemble une utopie féministe? La réponse n'est pas simple, car comme il n'y a pas un seul type de féminisme, il n'y a pas un seul type d'utopie féministe, en fait. Comme toutes les premières utopies littéraires, les premières utopies féministes se trouvent aussi souvent dans un lieu isolé, une île, une cité fortifiée par exemple. Mais ce qui les distingue des utopies générales, c'est qu'il n'y a pas d'hommes. C'est des utopies sans hommes en fait. Ça c'est au début. Donc la première œuvre de ce type est probablement La Cité des Dames, écrite par philosophe et poète Christine de Pizan. Née en 1364 à Venise et morte vers 1430 au monastère de Poissy en France. Elle critique publiquement les œuvres misogynes de l'époque et écrit son propre roman pour montrer que les femmes peuvent mener une existence pleine de noblesse tout en apportant leur contribution à la société. Christine de Pizan crée une cité sans hommes, une cité des dames, où les femmes illustres de l'histoire habitent et étudient en paix. Ceci souligne l'importance de l'accès à l'instruction dans les utopies féministes et d'avoir un lieu et du temps pour s'épanouir. La problématique soulevée dans La Cité des Dames est le même presque 500 ans plus tard dans le livre de Virginia Woolf, Un lieu à soi, publié en 1929, dans lequel elle critique le fait que les femmes ont peu contribué à la littérature parce que
pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'elles sont prises par d'autres tâches, ménagères, les enfants, le mari, s'occuper des autres. Et pour créer de la littérature, il faut un lieu à soi. Il y a d'autres œuvres féministes utopiques qui montrent les femmes vivantes entre elles, en harmonie, sans hommes. Millennium Hall de Sarah Scott, 1762, et Herland de Charlotte Perkins Gilman, de 1915, parmi plein d'autres. Ce que ces œuvres partagent, c'est une vision utopique des femmes qui vivent ensemble, en harmonie, qui sont indépendantes, qui ont du temps pour lire, écrire, peindre. Et il semblerait que le meilleur moyen de faire cela serait dans un monde sans hommes. L'âge d'or des utopies féministes littéraires, ça passe plus tard, donc entre 1970 et 85 à peu près. Ceci coïncide bien sûr avec la deuxième vague du féminisme et les mouvements protestataires en général. Les lois sont votées qui nous donnent le droit à la pilule, à l'avortement, le droit à une rémunération égale pour un travail égal, le droit d'ouvrir un compte bancaire toute seule, sans l'autorisation d'un mari ou d'un père. C'est donc une époque pleine d'espoir, ce qui se traduit dans les romans féministes utopiques. Cette fois, par contre, les hommes sont bien présents. Mais les rôles sociaux de sexe, les stéréotypes, les présupposés sur le rôle et la nature des hommes et des femmes ont disparu. Plusieurs auteurs ont exploré la question d'utopie féministe et ont expérimenté avec le langage, le genre littéraire préféré et la science-fiction. D'ailleurs, l'une des auteurs dont je vais vous parler prétend que c'est, je cite, le seul genre littéraire dans lequel il est possible pour une autrice d'explorer la question de savoir à quoi ressemblerait ce monde si l'on pouvait se débarrasser de Y, où Y est remplacé par n'importe lequel de la multitude de faits du monde réel qui contraignent et oppriment les femmes. Les femmes doivent chérir et soutenir la science-fiction. Mais avant de parler de Suzette Hayden Elgin, j'aimerais commencer par une autre auteure, Ursula Le Guin. Elle a écrit plein de romans de science-fiction. Donc celui-là, La main gauche de la nuit, l'action se déroule sur une planète fictive, parce qu'il n'y a plus d'îles inconnues sur Terre, donc on a déménagé vers l'espace, dans le futur. La population humaine, qui a été génétiquement modifiée, n'est pas divisée en mâles et femelles. Pendant 21 jours par mois, tout le monde est androgyne, asexuel, infertile. C'est la période de soma. Et pendant quelques jours par mois, il y a une modification hormonale et la personne entre dans la période de kéma. Le corps change et acquiert les caractéristiques soit masculin, soit féminin. Et ce n'est pas nécessairement les mêmes caractéristiques sexuelles qu'une personne va avoir tous les mois. Donc un mois, vous pouvez être homme et le mois suivant, femme. Tous les gens peuvent avoir les caractéristiques sexuelles masculines en juin et les caractéristiques sexuelles féminines en juillet. Tout le monde vit donc tous les sexes et toutes les sexualités. Il n'y a pas de rôle sociaux de sexe parce que les sexes ne sont pas stables. Ce n'est pas complètement de la science-fiction, car l'hermaphroditisme successif existe chez certains poissons et fleurs. Dans ce roman, l'auteur voulait, je cite, « éliminer le genre, les rôles sociaux de sexe, pour voir ce qui restait, l'être humain. » Elle voulait mettre en exergue ce qu'on partage en tant qu'être humain. Cette utopie féministe est un monde où, pour paraphraser le personnage principal, toute personne entre 17 et 35 ans est susceptible d'être contrainte par la maternité, porter l'enfant, l'accoucher, l'allaiter. Donc personne sur cette planète n'est aussi contrainte que les femmes sur Terre. Les fardeaux et les privilèges sont partagés. Toute personne porte les mêmes risques et ont les mêmes choix. Donc
Personne sur cette planète n'est aussi libre que les hommes sur Terre. Il n'y a pas de viol, car le coït n'est pas possible sans que les deux personnes soient consentantes. Il n'y a pas de division de l'humanité en fort, faible, dominant, dominé, actif, passif. En revanche, au niveau de la langue, l'auteur n'a pas été très révolutionnaire. Elle a utilisé le masculin pour tous les personnages. Quand ils étaient en soma, androgyne, asexuel, infertile, et même quand ils étaient en kema, même avec des caractéristiques sexuelles féminines. Donc elle a été beaucoup critiquée pour ce choix, mais a dit qu'elle croyait qu'utiliser les néopronoms, donc les nouveaux pronoms qu'elle aurait inventés, rendrait le roman difficile à comprendre. Par contre, dans une réédition pour le 25e anniversaire, elle a écrit qu'elle a été hantée par son choix d'utiliser le masculin et qu'elle a réécrit le premier chapitre avec des néopronoms. Le fait qu'elle a choisi d'utiliser les pronoms masculins pour tout le monde dans les phrases suivantes. Le roi, Argaven, avait annoncé qu'il attendait un héritier, non pas un autre fils de Kemmering, dont il en avait déjà sept, donc c'est quand lui il était le mâle et l'autre était la femelle, mais un héritier de son propre corps, un fils royal, le roi était enceint. J'ai trouvé cela drôle, tout comme les membres du clan de Gorin Herring, mais pour des raisons différentes. Il disait qu'il était trop vieux pour avoir des enfants et se sont mis à faire des blagues hilarantes et obscènes à ce sujet. Les vieux en ont ri pendant des jours. Donc nous aussi, comme le personnage principal, on peut trouver ça drôle que le roi soit enceint, mais ça nous pousse à réfléchir sur le genre, le corps, les rôles sociaux liés au sexe et comment le monde pourrait être différent. La même auteure a écrit un autre roman de science-fiction qui s'appelle Les Dépossédés, une utopie ambiguë, publié en 1974. Ici, les habitants et les habitantes, car ici, il y a bien les hommes et les femmes, vivent sur la planète Anaerès, dans une société anarchiste et libertaire, où, par exemple, les enfants sont élevés au sein des communautés et non pas par des familles. Les mots père et mère ne désignent pas forcément les parents biologiques, parce que c'est plus communautaire. La langue utilisée sur cette planète est une langue inventée, comme l'espéranto, qui s'appelle le pravik. Le pravik a été créé pour refléter les idées utopiques des révolutionnaires anarchistes de la planète. Ainsi, cette langue proscrit l'usage des possessifs, sauf pour marquer une insistance. Donc au lieu de dire « mon mouchoir », on dirait « le mouchoir que j'utilise ». Et au lieu de dire « celui-ci est le mien » et « celui-là est le tien », on dirait « j'utilise celui-ci » et « tu utilises celui-là ». Donc la langue n'a pas de mots pour dire d'une façon formelle non plus « monsieur, madame ». À la place, les gens qui habitent sur cette planète utilisent le mot « amar », qui se rapproche un peu de l'idée du frère ou sœur ou camarade. Les connotations des mots ont aussi leur importance. En pravik, cette langue, le mot pour travail veut également dire « je », de façon que les locuteurs associent les deux concepts. Donc c'est une langue inventée pour pousser les gens de conceptualiser le monde d'une certaine façon. L'auteur est plus critique dans ce roman que le premier. Il y a un questionnement sous-jacent de la notion même d'utopie, qu'on voit dans le titre d'ailleurs, une utopie ambiguë. Elle montre qu'être trop prescriptif, d'essayer trop, trop contrôlé, trop poussé dans une direction, peut produire une, si ce n'est pas une dystopie, c'est une utopie dysfonctionnelle. Un autre auteur dont j'aimerais vous parler, c'est Marge Piercy. Donc, elle a écrit Une femme au bord du temps. Ici, dans ce roman, on voit un monde utopique. En fait,
Dans ce roman, c'est un futur possible sur Terre. Donc on n'est plus dans l'espace, on est sur Terre. Dans le futur, un futur possible. La société s'appelle Mattapoisett, c'est une vraie ville en fait aux États-Unis. Et tout le monde là-bas vit en harmonie avec la nature. Il y a des hommes et des femmes, mais la différence est minime. Il n'y a pas de vêtements ou de style de cheveux ou de prénoms genrés, par exemple. Et quand un des personnages principaux, Lucente, donc c'est un personnage du futur qui remonte le temps pour rendre visite au personnage principal, Consuelo. Consuelo, le personnage principal, elle ne sait pas si Lucente est un homme ou une femme. Elle n'arrive pas à savoir, en fait. Ce n'est pas immédiatement évident, juste en regardant son apparence physique. La société de Lucente, donc dans le futur, est sans classe. Il n'y a pas de discrimination raciale. Les genres sont égaux. Il n'y a pas de rôles sociaux de sexe. Les hommes et les femmes font les mêmes tâches. Dans cette utopie, il n'y a pas de maternité. Les enfants sont développés in vitro, puis adoptés par 3 mères de n'importe quel genre, qui les éduquent jusqu'à leur puberté. Et après, ils sont libres. Donc l'auteur joue aussi avec le langage. Au lieu des pronoms « il » et « elle », elle a le pronom neutre « père », P-E-R, de « personne ». Les prénoms sont donnés par les 3 parents à la naissance, mais une fois la puberté atteinte, la personne choisit son propre prénom, un peu comme les peuples autochtones d'Amérique du Nord, qui choisissent leur propre prénom en fonction de leurs valeurs, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent faire. Dans la conception propre de l'auteur, cette société n'est pas une utopie, car, je cite, « elle est accessible ». Il n'y a rien là qui ne soit accessible maintenant, à part la couveuse. Ce n'est donc pas une utopie, et c'est intentionnel. L'histoire ne se présente rien de remarquablement nouveau. Les idées mises en application sont en réalité simplement les idées du mouvement féministe. Donc, maintenant, j'aimerais revenir à Suzette Hayden Elgin. C'est celle qui nous a donné la citation à propos de la science-fiction et son importance pour le féminisme. Elle fréquente l'Université de Californie à San Diego dans les années 60 et commence à écrire de la science-fiction pour payer ses études. Elle obtient un doctorat en linguistique. Et est la première étudiante de cette université à écrire 2 thèses, en anglais et en navajo. Elle a écrit une trilogie qui s'appelle Langue natale, mais je pense que c'est plutôt connu sous le titre anglais, Native Tongue, même en France. Le premier dans la trilogie est publié en 1984. Il décrit un futur sur Terre dans l'année 2205. Et dans lequel les femmes n'ont plus de droits et sont opprimées. C'est un grand pas en arrière pour le féminisme. C'est en partie une dystopie, mais c'est une histoire avec une visée utopique. C'est pour cela que je l'ai mis dans la partie sur les utopies. Dans ce futur, les êtres humains sont en contact avec les extraterrestres et il faut des linguistes pour traduire entre les extraterrestres et les hommes politiques pour conclure les accords économiques. Comme il y a beaucoup d'extraterrestres, et donc beaucoup de langues différentes, il faut beaucoup de linguistes. Normalement, les femmes n'ont pas le droit de travailler dans cette société, mais dans ce cas, une exception est faite. Même si les femmes linguistes travaillent, elles sont tout de même opprimées. C'est leur père et leur mari qui reçoivent leur salaire et qui organisent leur emploi du temps. Les mariages sont arrangés et la violence conjugale fait partie de la vie. Mais les femmes linguistes fomentent la révolution avec une arme originale, le ladan. C'est une langue inventée par et pour elles qui permet d'exprimer leur propre réalité. Elles veulent inculquer aux enfants cette langue afin d'élargir leur perception de l'existence et de les rallier à la cause des femmes. Cette langue est censée représenter la réalité des femmes. Et un jour,
permettre une révolution féministe. Car la langue parlée par la société en général, dans cette société, qui est le descendant de l'anglais américain actuel, ne représente que la vision des hommes. L'auteur a donc inventé certains mots comme radin, qui veut dire non-vacances, un moment prétendument férié, mais en réalité si lourd à supporter à cause du travail et des préparatifs que c'est une occasion redoutée, surtout quand il y a trop d'invités et aucun d'entre eux n'aide. Voilà, c'est une réalité pour pas mal de gens, pas mal de femmes surtout, je pense. Ce n'est pas que dans le roman que cette langue inventée est censée être un outil révolutionnaire. L'auteur espérait que dans la vraie vie, les femmes apprendront le ladan. Cela serait un acte militant qui leur permettrait de disposer d'un vocabulaire plus à même de dépeindre leurs expériences et donc de se révolter contre l'oppression sexiste. Donc elle a créé des dictionnaires, des grammaires, un site web et plein d'autres choses. Elle a fait des conférences, elle a essayé de mobiliser les gens, les femmes à apprendre cette langue. Mais comme la plupart des langues inventées, ça n'a pas très bien marché. C'est aussi assez difficile. C'est pas comme l'espéranto qui est plutôt facile, là, c'est hyper difficile. Donc la révolution féministe linguistique qu'elle espérait n'a jamais vu le jour. Elle a conclu que les langues naturelles sont tout à fait adéquates pour communiquer toutes les idées. L'âge d'or des utopies féministes se termine en 1985 avec la publication de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Et on semble être toujours dans une période de pressentiments négatifs. Il y a beaucoup de dystopies féministes qui sont publiées en ce moment. Une dystopie féministe, donc, est l'inverse d'une utopie féministe. Les dystopies féministes montrent un monde, comme dans La Servante écarlate, dans ce monde, l'extrême droite chrétienne a pris le pouvoir aux États-Unis. Vous avez peut-être vu à la télé ou lu le livre, c'est dur à regarder. Donc, l'extrême droite chrétienne a pris le pouvoir suite à ce qu'on devient être une guerre ou un accident nucléaire. La société est extrêmement hiérarchique et sexiste. La société est contrôlée par un petit groupe d'hommes qui ont tout le pouvoir et les femmes sont horriblement oppressées. J'ai dit au début que l'utopie pour une personne n'est pas nécessairement une utopie pour une autre. Et ce roman en donne un bon exemple quand le personnage principal, qui s'appelle Offred, a une conversation avec son commandant. Son commandant, en fait, c'est l'homme à qui elle a été attribuée. Il lui demande si la vie n'est pas mieux maintenant, et elle répond que mieux ne veut jamais dire mieux pour tout le monde. C'est une utopie pour le commandant, qui est en haut de l'échelle sociale et politique, mais pas pour les femmes, et ni d'ailleurs pour la plupart d'autres hommes qui n'ont aucun pouvoir. Un des thèmes dans le roman est l'importance du langage pour le féminisme. Tout d'abord, les prénoms de toutes les servantes écarlates commencent par Ov. Le personnage principal s'appelle Offred, une autre s'appelle Offglen, une autre Offwarren. Et on comprend, pas de suite, hein, mais au fur et à mesure, on comprend que le prénom des commandants, c'est le prénom des commandants précédé par Ov. Donc deux plus prénom du commandant, qui montre l'appartenance de la femme au commandant. Elles n'ont plus le droit d'utiliser leur propre prénom, et d'ailleurs, on n'apprend jamais le vrai prénom du personnage principal. Elles sont la propriété de leur commandant. On est censé être choqué par ça, mais quand on pense à la tradition, toujours très courante aujourd'hui, des femmes qui prennent le nom de leur mari, on se pose des questions. C'est pas très loin de la réalité. Le commandant et Offred jouent au Scrabble, même si c'est interdit pour les femmes, tout comme l'accès aux livres. Lors du jeu, Offred met le mot larynx, aussi appelé organe de la parole.
Ceci est signifiant car Offred, comme toutes les femmes, n'a pas le droit de parler librement. L'idée de n'avoir pas le droit de parler est en fait un thème qui revient très souvent dans les dystopies, donc plein de dystopies féministes. On a aussi Vox de Christina Dalcha, publié en 2020, qui montre une dystopie assez similaire de celle dans La Servante écarlate. Dans le roman, à la suite d'une élection peu mobilisatrice aux États-Unis, se réveille dans une société puritaine soumise à l'Église évangélique la plus rétrograde. Donc ça commence un peu de la même façon. Le nouveau président est un patin manipulé par un religieux extrémiste et fou à la tête du mouvement pur. Il s'attaque tout d'abord à la liberté des femmes. Celles-ci perdent toute autonomie, plus de passeport, plus de chéquier, plus de livres. Elles sont surveillées par les caméras et les micros omniprésents et sont limitées dans leurs paroles. En fait, les femmes sont obligées de porter un bracelet qui s'appelle un compte-mot qui accorde à la femme qui le porte le droit de prononcer 100 mots par jour. Au-delà, une décharge électrique rappelle à l'imprudente qu'elle n'a plus le droit de s'exprimer. Pour celles qui persistent, la brûlure peut aller jusqu'à la calcination de l'avant-bras. Ce roman aussi souligne l'importance de la voix pour le féminisme. Déjà, avoir une voix, et deuxièmement, l'utiliser avant que cela ne soit pas trop tard. N'oublie pas que ce roman a été publié à la fin du mandat de Trump aux États-Unis. Les utopies et dystopies féministes mettent toutes les deux en avant le pouvoir du langage. Il peut être un outil dans la construction d'une utopie, tout comme il peut être employé à des fins dystopiques. Le langage reflète et en même temps participe dans une construction, enfin, dans la construction d'une certaine vision du monde. Et c'est pour cela qu'il est si puissant. Donc, ce soir, nous avons parlé de quatre projets utopiques ou expérimentations linguistiques dans lesquels le langage joue un rôle central. Le mythe de Babel, la quête à la langue originale, les langues philosophiques du XVIIe siècle, langue auxiliaire du XIXe et la littérature féministe du XXe et XXIe siècle. On a vu que ces projets sont tous reliés par l'idée que le langage est un outil pour façonner, pour changer le monde, et pas seulement pour le décrire. Les utopies sont, peuvent être des projets avec des objectifs assez clairs, retrouver la langue originelle, universelle, divine, comprendre et classer le monde, promouvoir la paix, lutter contre le sexisme. Ou elles peuvent être plutôt des lieux d'expérimentation. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas un sexe stable? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de rôles sociaux de sexe, plus de genre? Les dystopies, en revanche, sont plutôt des avertissements. Faites attention à ce qui se passe aujourd'hui, car demain, ça sera trop tard. Ce qui semble relier les utopies au niveau langagier est le désir d'avoir une langue qui reflète de la façon la plus claire et précise la réalité, que cela soit pour les philosophes du XVIIe ou pour les féministes du XXe. Et deuxièmement, avoir une langue dépourvue de biais culturels pour les espérantistes, sexistes pour les féministes. Ce qui semble relier les dystopies, c'est la restriction de la liberté d'expression, plus le droit d'utiliser certains mots ou tout simplement de parler tout court, et un manque de clarté d'expression. Les mots, certains mots sont remplacés par d'autres mots qui cachent en quelque sorte la réalité. Et c'est en fait cette vision du langage qui relie les utopies et les dystopies. Dans les deux, le langage est un outil à des fins plus politiques, que cela soit une société socialiste, anarchiste, sans possessif, dans Les Dépossédés, une utopie ambiguë d'Ursula Le Guin, ou le fait que les femmes prennent le nom de leur commandant dans La Servante écarlate. Les utopies et les dystopies reflètent toujours un élément de la réalité de l'époque. Il faut toujours donc replacer ces utopies et dystopies dans leur contexte
pour bien comprendre leur objectif. Si, par exemple, on voit plus de dystopies féministes en ce moment que d'utopies, cela veut dire quelque chose sur la situation des femmes actuelles qui fait peur aux féministes. Voilà quelques références si le sujet vous intéresse et merci beaucoup de votre attention. Bravo pour ce bel exposé extrêmement documenté. Utopie ou dystopie ? Les couvents où il n'y avait que des femmes qui avaient chacune un lieu à elles, c'était une belle utopie. C'était un œuvre. C'était une œuvre. Et plein de femmes qui n'étaient même pas vraiment croyantes ont choisi les couvents parce qu'elles étaient tranquilles, elles pouvaient lire, peindre, étudier, et elles n'avaient pas toutes les tâches ménagères, le mari sur le dos, etc. Donc c'était un bon choix à l'époque, en fait. Pour pas mal de femmes. Ouais. Et ça, c'est beaucoup les premières utopies féministes qui sont un peu qui va dans cette direction. Un lieu, voilà, protégé, sans hommes, on est tranquille. On est tranquille entre femmes. Et un peu, voilà, utopique parce que, voilà, entre femmes, il y a des bagarres aussi et des tensions. Mais, voilà. C'était, par la suite, c'était un peu plus nuancé. Mais au début, c'était surtout ça, oui. Je ne sais pas si vous avez lu les livres dont j'ai parlé. Ils sont vraiment sympas. Hein. La science-fiction, c'est très sympa. Surtout celui-là, si vous êtes intéressé. Si la linguistique vous intéresse, celui-là est super. Il y a plein de blagues de linguistes, donc je les ai notées pour mes collègues. Qui ne marcherait pas du tout avec les gens normaux. Et vous n'avez pas vu ça, alors, aux urnes ? Si ? Ah oui, j'étais hyper contente de le trouver. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, peut-être la prochaine fois. Ça, c'est une toute plus quand même. Oui, c'est une utopie dans le sens où la visée, c'est un monde sans guerre qui est peut-être pas possible, mais... La langue, c'est aussi une histoire. C'est pas simplement un mot comme ça. Il vient de loin, il a toute une histoire. Et actuellement, l'utilisation politique de certains mots, on le voit très bien, hein. Voilà, en plus. Je ne veux pas aller plus loin, mais bon, il ne faut pas se côté. Allez-y. Les histoires des langues sont souvent liées au territoire. Ah, c'est sûr. Les histoires et au territoire. C'est évident. Naturellement, c'est clair. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le fameux 1984 de George Orwell? J'en ai pas parlé parce que ça n'avait pas de lien avec le féminisme, mais c'est clair que c'est une dystopie qui montre, qui est basée en fait sur la théorie de Sapir-Whorf, qui veut dire, donc en fait il y a une théorie, il y a une version qui est la version forte, et c'est que la langue que vous parlez vous aveugle en fait, vous empêche de comprendre les concepts. S'il n'y a pas un mot dans votre langue, vous ne comprenez pas ce concept. Et une version moins forte qui dit que en fait la langue qu'on parle nous pousse dans une certaine conceptualisation du monde, mais ça ne nous empêche pas de comprendre les concepts qui sont dans d'autres langues, comme je sais pas, Schadenfreude en allemand, le fait d'être un peu content quand quelqu'un vit un malheur. On comprend quand même, on n'a pas le mot en français ni en anglais, mais on comprend. Et en fait c'était 1984, c'était un peu cette idée de si on change la langue, est-ce qu'on peut vraiment empêcher les gens de penser à certains concepts comme la liberté, parce que le mot liberté est interdit. Si on enlève le mot liberté, démocratie, etc.,
est-ce qu'on enlève le concept? Est-ce que les gens sont incapables de penser à ce concept? Et voilà, il y a beaucoup de... Voilà, c'est un lieu d'expérimentation pour ça. Et celui-là, Native Tongue, c'est pareil. C'est si on change la langue, est-ce qu'on change notre conceptualisation du monde? Donc c'est... Voilà, je n'ai pas trop la réponse, mais au moins dans la littérature, dans ces livres, c'est comme un laboratoire où on essaie des choses et on voit comment ça se passe. À propos de 1984, il existe au moins une vingtaine de versions et une nouvelle vient d'être publiée par les éditions Egon, qui est une maison d'édition marseillaise. Je ne sais pas si ma réflexion est intéressante. Est-ce qu'au sein d'une même langue, il y a finalement un usage plus de certains mots plus pour les hommes et pour les femmes? Est-ce qu'on a finalement, selon le sexe ou les communautés, on a un usage différent de cela? Et qu'est-ce que cela veut dire? Et je ne sais pas pourquoi, je pensais au fait que on entend des jeunes filles aujourd'hui dire « je m'en bats les couilles », par exemple. Oui, et vas-y frère, entre elles. Voilà. Oui, enfin, je pense qu'il y a certaines langues, il me semble que le japonais a quelques morphèmes que les femmes utilisent, que les hommes n'utilisent pas, dans les situations de politesse, mais je ne suis pas sûre. Moi, je pense que c'est un reflet des sociétés qui sont... où les deux sexes sont assez séparés, en fait. Le fait que les filles disent maintenant « je m'en bats les couilles, vas-y frère » et tout ça, ça me fait rigoler, en fait, je trouve pas... Jusqu'à présent, ça me faisait rigoler, voire je trouvais ça vulgaire, mais je sais pas, là, ce soir, je me dis, mais finalement, c'est peut-être bien qu'elle s'empare de... Oui, c'est bien qu'elle joue avec la langue, déjà. Après, est-ce que je sais pas si c'est sexiste, je sais pas. Je trouve que c'est intéressant, mais j'aime pas quand mon fils me dit frère. Mais ouais, je sais pas si c'est sexiste, mais c'est bien qu'elle joue avec la langue, je pense. Ouais. Je dirais pas que c'est sexiste, mais qu'elle se réapproprie les mots des dominants, justement, pour être égalité avec. Peut-être, oui. Comme en anglais, on dit « guys ». Je pensais surtout à « je m'en bats les couilles ». Après, il y a des milieux féministes où elles disent « je m'en bats les ovaires ». Ah oui. Et c'est pas autant passé dans le langage courant, donc tout le monde ne comprendra pas autant. Oui. Oui, c'est un moyen de riposter un peu. Les ovaires, c'est bien aussi, quoi. Ouverts et contre tous. Oui. Il existe en Allemagne une fête dont j'ai oublié le nom. Pendant une journée, les femmes prennent toutes les décisions. Elles sont masquées et ce sont elles qui investissent la mairie, donc qui prennent toutes les décisions municipales, qui font la circulation, qui verbalisent. Et le soir, il y a des grandes fêtes et des balles. Et ce sont, sous Siamini, ce sont les femmes qui vont inviter. Et on ne sait pas qui invite. Et les hommes passent la journée à se faire les ongles et à lire des magazines. Exceptionnellement, pour une fois, les mecs s'occupent des enfants. Excusez, juste au rire. Moi, je pense qu'il me semble en Islande, dans les années 70, les femmes ont fait quelque chose comme ça. Ah. Et les hommes, ils avaient échangé pour la journée. C'est ça. C'est un gros réalisation pour les hommes, je pense. Vous avez une période où on est dans une trans, possibilité de changer de genre facilement. Voilà. Donc, apparemment, ouais, même en mairie. Bah, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'on puisse changer d'identité genre. Jean-Luc, c'est ça, ou Jean-Luc? C'est même invité comme argument de campagne. De genre, ouais. Qu'on puisse le faire dans une mairie, alors il s'agit juste de... Maintenant, on pouvait changer de genre en mairie, ce qui était... Hein, c'est un argument de campagne aussi. C'est ça, c'est juste la possibilité de formaliser ce que l'on a conceptualisé comme son propre sexe, de pouvoir le conceptualiser facilement, sans passer devant un juge. C'est pas tellement utopique. Voilà, pour certains, si. En fait, c'est...
En fait, c'est un monde où le sexe ne veut plus rien dire. Si, en fait. Si on se place dans la situation de ces personnes il y a 20 ans, c'était complètement. Enfin, personne n'y pensait. C'était même pas du niveau de l'utopie. Donc, non, moi, je pense que pour certaines personnes, c'est libérateur. C'est ça. D'imaginer autre chose. Et à propos de ce débat, moi, je m'interrogeais sur l'utilité de genrer les individus. Oui. Pourquoi monsieur, pourquoi madame, enfin, pourquoi un homme, pourquoi une femme, alors qu'il y a des personnes, comme tu le disais, qui peuvent être aussi hermaphrodites. C'est vrai que dans certaines langues, comme le français, c'est très dur d'éviter. Ouais. Et dans d'autres langues, comme l'anglais, c'est très facile d'éviter ça, en fait. Mais oui, il n'y a pas... Enfin, je pense qu'il y a un linguiste qui a dit que le genre grammatical, c'est aussi utile que les tétons des hommes. Je trouve ça génial. Juste pas du tout utile, quoi. Donc, peut-être une utopie linguistique sans genre grammatical, je serais pour. Mais comme il a été long pour abandonner l'appellation mademoiselle. Donc aujourd'hui, on dit madame, monsieur, on ne dit plus mademoiselle. Alors que pendant longtemps, c'était mademoiselle, madame, monsieur. Et avec cette hiérarchie. Donc, on citait les messieurs à la fin pour montrer leur dominance. La politesse et dame d'abord. C'est ça. Excusez-moi, j'ai une question. Je voudrais savoir. Il faut que tu parles plus fort, sinon on t'entend pas. Selon vous, est-ce qu'on peut être féministe tout en étant conservatrice? Et où est-ce que l'homme peut trouver sa place dans cette. C'est une très bonne question. Faut que tu ailles aux États-Unis. Oui, je pense que les femmes. Il me semble que la plupart des féministes sont plutôt à gauche. Mais être féministe à droite, oui, il y a peut-être moins de place. Et on s'inscrit dans un système, enfin le système qui est actuel. On n'essaie pas de changer le système. Et les féministes plutôt de gauche essaient vraiment de changer le système. Oui, je pense, oui. Mais je pense que Simone Veil, elle était de droite, non? Oui. Donc, c'est possible. Peut-être avec un peu moins de marge de manœuvre. Ah oui, quand on sait combien de temps elle a dû lutter, et notamment à l'Assemblée nationale, je crois que elle a débattu pendant 26 heures d'affilée pour que sa loi puisse être adoptée. Et elle a pu... faire passer cette proposition dans un contexte politique très très compliqué. En fait, la plupart des membres de l'Assemblée nationale étaient farouchement opposés à cette proposition. Donc il a fallu plein de diplomatie. Les utopies féministes littérales, elles sont toutes de gauche. C'est les sociétés socialistes, anarchistes, libertaires. Et je me suis posé la même question en les lisant, je me suis dit, il n'y en a pas de droite. Et en fait, une utopie féministe de droite, ça ressemblerait à quoi? Donc, qui est candidat pour remporter l'initiative? On a le cas de Rachida Dati, par exemple, qui est de droite et qui est finalement dans son... dans son parcours de vie, assez un modèle féministe. Ah bon? Quand même. Elle est partie d'une cité, d'une famille très patriarcale, et elle s'est quand même hissée. Elle ne s'est pas mariée. Je trouve que c'est pas très. Dans son mode de vie, il ne me semble pas qu'elle soit très conservatrice. Dans ses idées, j'en sais rien, je pense que... Ouais, mais je m'interroge, juste là, je vais poser cette question et je m'interroge. Je la trouve pas féministe non plus. Une femme qui n'a pas de mari, qui élève seule sa fille et qui n'a a priori n'a besoin de personne pour pécuniairement, je trouve que c'est une féministe. Qu'après on puisse la critiquer sur d'autres plans. Pas forcément. Parce que nous en Angleterre, on a eu trois premières ministres femmes. Ouais. Ah oui, alors là, vous avez le cas de Thatcher qui est. Oui, voilà.
je ne sais pas si elles ont beaucoup fait pour les autres femmes. En fait, donc les, normalement, on dit que les, si tu es féministe, tu aides les autres femmes. Et donc, tu ne profites pas du système comme il est pour monter jusqu'en haut. Et voilà, merci pour le temps là. Tu tires les autres avec, avec toi. Oui, mais est-ce que la sororité, vraiment, chez les femmes, c'est, un, c'est quelque chose... Alors, je ne dis pas que chez les hommes, c'est mieux. Je sais pas. C'est, on ne peut pas trop généraliser. Non, non, c'est ouais. Ça dépend du contexte. Comme les hommes. Des fois, on est sympa et des fois, non. Très intéressant. Merci. Toutes les questions que ça se posait. Réflexion, question, proposition. Le groupe Montevideo est, doit être réattribué. Donc, s'il a des candidates à la solitude, le groupe Montevideo, c'est en haut de la rue Breteuil. Ah, d'accord. Oui. Ce qui est embêtant, peut-être, c'est que ce soit un lieu soit dédié à un des deux sexes. Non, mais c'était dans, dans ce que nous disait Anne, où les femmes pourraient vivre en. En toute liberté, autonomie, enfin, en tous les cas, en toute indépendance. Et de manière bizarre, il y avait, il n'y a pas très longtemps encore en Marseille, au moins une dizaine de couvents. Un qui est célèbre, c'est le couvent Levin, qui était à la Belle de Mai, qui a été en activité jusqu'il y a une dizaine d'années. Où les dames qui habitaient ce lieu ne sortaient jamais, il n'y avait que la mère supérieure qui pouvait sortir et personne ne pouvait les visiter. Non, c'est pas très chiant. Ah, c'était. Moi, je me suis longtemps interrogé sur l'intérêt, l'utilité de ces moines et de ces monesses. Et puis je me dis que peut-être il y a besoin de quelques personnes qui sont en relation avec, je ne sais pas, le haut et le bas, et qui le font à notre place, et que ça peut servir à nous garder en connexion. Mais j'en sais rien, je ne suis pas du tout déiste, je n'ai pas de conviction religieuse, mais je me dis que si toutes ces personnes-là existent, peut-être que ça sert à quelque chose, peut-être. Si c'est librement consenti, ça fait de mal à personne. La plupart, oui. Je suis invité. Certaines époques, certaines femmes se retrouvaient là, parce qu'elles avaient le même péché. Moi l'évêque, moi les hommes. Oui. Les couvents ont quand même servi longtemps de méthode contraceptive, et ça faisait des adultes finalement qui n'avaient pas de charge d'enfant, qui voulaient faire bien autre chose. Et les congrégations de femmes, elles aidaient beaucoup au niveau des pauvres, au niveau des... Donc il y avait cette utilité-là, et je pense que dans notre civilisation à nous, où il y a la contraception, où il y a moins cette contrainte, et bien elles sont en train de disparaître. Il y a peut-être aussi l'aspiration spirituelle aussi, mais je pense qu'un des groupes, d'ailleurs, dans les familles, le deuxième, il est le couvent. Hein.